Salut, dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous des rythmiques que vous pouvez utiliser pour jouer sur vos chansons, pour vos compositions ou tout simplement pour vous entraîner au rythmique. Je vais vous donner 20 rythmiques, donc une fiche en support à cette vidéo. Voilà qu'en fait je vous envoie par mail, donc elle se présente comme ça. Donc vous avez un petit formulaire, je vous mets le lien, vous avez un petit formulaire à remplir avec votre adresse email pour que je puisse vous l'envoyer. Et comme ça, vous de votre côté, vous pouvez l'imprimer et puis voilà, vous pouvez suivre la vidéo et travailler ces rythmiques. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes vous les jouer une par une avec la suite d'accords La mineur, Do, Sol, Mi mineur. Voilà, comme ça vous pouvez les écouter et vous essayez de les reproduire. C'est très simple en fait, donc il y a des flèches qui représentent les mouvements de la main droite, donc flèche vers le bas, on fait un mouvement vers le bas, flèche vers le haut, on remonte, avec deux couleurs, rouge c'est le mouvement qu'on va jouer, et noir c'est le mouvement qu'on va faire à vide, donc sans toucher les cordes. Pour la première rythmique, on aura ça. Deuxième rythmique. Troisième rythmique. La quatrième. La cinquième. La sixième. Je passe à la deuxième colonne avec la septième. La neuvième. La dixième. La onzième. La douzième. On passe à la troisième colonne avec des rythmiques en double croche. Donc on va plus avoir 8 flèches par rythmique, mais on va aller deux fois plus vite, donc on en aura 16. Donc, la treizième. La quatorzième. La quinzième. La 16e. La 17e. La 18e. Thank you.
19e. Et la 20e. Peu importe la chanson que vous allez vouloir jouer, avec cette fiche, il y a forcément une rythmique qui va coller au morceau. Il suffit de les essayer et vous allez voir, il y en a forcément une qui va fonctionner. Donc pour avoir cette fiche, il suffit juste de vous rendre sur mon site. Il y a le lien dans la description et qui doit s'afficher. Il y a un petit formulaire, vous mettez votre adresse email pour que je puisse vous envoyer la fiche. Comme ça, vous pourrez l'imprimer, vous l'aurez toujours sous la main et ça va vraiment vous servir. Après, si vous voulez aller plus loin, que vous avez des problèmes pour jouer en rythme, j'ai fait une méthode pour vous aider à vraiment comprendre les rythmiques, créer les vôtres, les enrichir et jouer en rythme avec les chansons. Je vous explique tout ça. Il y a le lien, vous cliquez dessus et puis vous allez avoir toutes les informations pour accéder à cette méthode. Je compte sur vous pour mettre un gros pouce vers le haut en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochains cours. À très vite.